Bonjour à tous et bonsoir à la galère, vous nous suivez sur Sidiki Diabaté TV. Et si c'est la première fois que vous nous suivez, mon cher ami, ne manquez pas de vous abonner, de commenter, de partager la vidéo et surtout de déclencher la cloche des notifications pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos véridiques. Moi, je reprends au nom de Circas Tarkis et voici mon compte Instagram et Facebook. Alors aujourd'hui, nous allons aller réactiver, vous balancer cette bonne nouvelle de l'artiste Sidiki Diabaté après cette petite courte publicité. Et bien voilà, nous sommes de retour déjà dans notre studio et justement aujourd'hui, on a une très bonne nouvelle pour vous annoncer que non, que l'artiste Sidiki Diabaté, comme vous voyez là, en concert vraiment décembre, c'est encore sur le 24, hein. Le 24, je pense que c'est Noël. Et dès le 24 décembre, tout le monde, on doit se rendre là vraiment. On doit vraiment faire tomber ce concert en question parce que c'est Sidiki Diabaté et en concert live. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très capital. On doit être là. Et voilà, sur l'esplanade voilà, du palais de la culture d'Abidjan. Donc à partir de 18h, voilà, comme vous voyez, à partir de 18h, voilà. Et puis le ticket c'est juste à 5000 francs CFA et puis voilà, et puis VIP comme vous pouvez dire, VIP c'est à 10 000 francs. Et pour des gens qui ont aiment souvent la classe du VIP, tout ça machin, donc vous devez quand même se rendre là et voilà, donc c'est vraiment très 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 important d'y être là. Voilà, l'artiste n'a pas vraiment aussi n'a pas pu rester calme ou pu bien peut-être aller jouer en Europe, mais l'artiste a pensé aussi à la population, à sa population africaine, pourquoi pas aussi surtout aussi la Côte d'Ivoire, voilà, il y a le Mali et voilà, le Sénégal, voilà, il y a le Lang, il y a le Congo Brazzaville, partout, voilà, on doit se rendre là, c'est pour le 24 décembre, donc on doit y être là, donc on doit y être. Alors aussi moi aussi je vais aussi voir comment je dois aussi parvenir à descendre là, parce que vous savez, vous connaissez très bien l'Europe avec l'Afrique à ces moments, avec cette pandémie, ben vraiment ça ne peut pas nous empêcher d'y être là. Alors on va descendre, on va quitter depuis l'Europe, on va descendre là dans ce concert et puis pour vous redonner des lives. On va vous donner des lives et puis on sera en direct pour tout le monde aussi qui veut aussi voir Circas en live. Je serai là. Donc tout on laisse toujours dans le nom de l'Éternel. Alors on doit être là pour tous. La date à retenir c'est pour le 24 décembre. Je dis bien le 24 décembre. Comme vous voyez très bien, donc le 24 décembre on doit y être là, nous tous. Donc sans pourtant faire de quoi machin. Non, le 24 décembre. Et puis, quand vous voyez très bien l'affiche, on a très bien écrit le prince de la cour. Donc vraiment c'est le prince parce qu'il n'y a rien, on a dit, il n'y a rien encore à douter. Comme on dit souvent, les jaloux ne manquent pas, c'est vrai que non, les jaloux, ça manque pas, mais vous devez quand même accepter quand quelqu'un est meilleur. Celui qui est meilleur, vous devez accepter. Il n'y a pas vraiment de problème à réviser tout ça dans contre-dur parce que le premier, c'est le premier. Donc, c'est son temps. Donc, attends, c'est ton temps. Et puis, toi aussi, tu seras aussi peut-être un jour, peut-être, bon, pas prince. Bon, peut-être, tu peux être, je sais pas, gardien, tout ça, machin. Voilà, mais prince, bon, moi, c'est trop dur. Voilà, c'est un peu ça parce que avant d'être prince, tu dois d'abord avoir d'abord un roi. Donc, surnommer d'abord un roi. Parce que lui, c'est tout à fait normal parce que son père, donc je respecte beaucoup d'abord Toumani Diabaté, que Dieu soit d'abord en passant. Donc, le vieux, donc une légende vivante, parce que c'est lui qu'on a surnommé d'abord le roi du Coran. Alors, et puis aujourd'hui, Sidiki Diabaté est surnommé maintenant le prince de la cour. Voilà, c'est un peu ça. Donc la date à retenir, mes chers internautes, mes chers téléspectateurs aussi. Alors c'est pour le 24 décembre. Et tous, on va se rendre à Abidjan. Donc, à Abidjan, donc la ville, la capitale du rire, la capitale d'ambiance, la capitale de tout ça, machin. Voilà, on va se rendre là, à Abidjan. Alors on doit être là. Alors pour les gens qui n'ont pas encore eu le temps d'avoir leur billet, donc c'est maintenant le temps, Donc faut pas vraiment perdre le temps. Et il faut toujours s'adapter, être vite fait, parce que souvent avec Sidiki Diabaté, donc écoute, ça c'est un concert vraiment qui à la place, donc à la place respectable et puis une sécurité confortablement donc assurée. Donc souvent le billet finit avant, donc voilà pourquoi on l'a balancé bien avant déjà, que non, c'est pour le 24 décembre, nous tous on doit arriver à être en Abidjan. Donc voilà, c'est vraiment très capital d'y être là. Et si vous êtes à deux personnes, ne manquez pas aussi de, donc d'avoir
un ticket pour la maman, tout ça, machin. C'est pour moi très important, pour ta go, tout ça. Et puis peut-être pour ta femme aussi, pour les gens aussi qui aiment Sidiki Diabaté. Donc vous devez vous rendre là, on doit se rendre là. Surtout, ça c'est pour le 24 décembre 2020, bien le 24 décembre 2021 à Abidjan. Alors on doit être là, nous tous, on doit être là. Le billet, donc c'est moins cher, donc avec 5 000, c'est rien. Alors tu peux même peut-être aider, donner tout ça, machin, gaspiller 5 000, c'est rien. Donc pour toi, 5 000, c'est rien. Pour 10 000 aussi, c'est rien, parce que l'artiste nous a favorisé vraiment. Donc la tâche pour tout le monde aussi qui veut aller participer, donc donner, d'ailleurs qu'on puisse partager donc le même plaisir avec lui, parce qu'il va vraiment donner donc à fond. C'est un concert vraiment qui est spectaculaire, un concert jamais vu. C'est un concert de clôturer l'année, c'est un concert qu'on doit vraiment rentrer en 2022 ensemble, parce que donc c'est vraiment grâce, c'est vraiment chaud. Et encore d'autres surprises encore pour le premier, ben je pense que donc au-dessus là vous serez vraiment informé pour le concert qui arrive encore pour ce premier, alors le premier décembre. Voilà, c'est un peu ça, cousin. Le message a été très bien passé. Alors on doit se rendre là, nous tous. Rendez-nous là vraiment, nous tous. On doit vraiment bouger, on doit faire tomber Abidjan à gogo. Alors moi aussi je serai sur place. Je serai sur place aussi pour fêter avec vous, fêter avec ce beau live de Sidiki Diabaté, et pour vous les donner en direct sur le Loukoso TV. Alors si c'est la première fois, ne manquez pas de vous abonner déjà bien avant que ce live puisse vous dépasser. Alors je vais vous donner encore ce beau live en direct sur Sidiki Diabaté TV. Alors vous devez être là bien avant, parce que vous pouvez manquer ces lives et puis venir revoir encore ça donc vous-même. C'est vraiment un peu embêtant, mais quand vous suivez ces lives, c'est comme si vous êtes aussi direct dans le concert. Alors je vous aime beaucoup, voilà le message que j'avais vraiment voulu vous partager avec vous sur le prince de la Koura, Sidiki Diabaté, donc en concert le 24 à Abidjan. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très important, donc à la palais, donc c'est le palais de la culture d'Abidjan. Alors je vous aime beaucoup, la place, les places sont déjà donc limitées, donc vous devez être là rapidement, parce que hein, si vous traînez, vous risquez vraiment donc de rater les billets. Alors je vous aime beaucoup, pour tout le monde qui nous suit sur, et pour tout le monde, c'est pour tout le monde qui nous, pour la première fois qui vous nous suivez sur Sidiki Diabaté TV. Alors vous devez abonnez-vous si c'est la première fois, et surtout déclenchez la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos véridiques. Moi je reprends en mode Serta Starkis, et voici mon compte Instagram et Facebook, et on est ensemble, il n'y a pas de souci. Alors peace love avec Serta Starkis. Alors ciao, le rendez-vous c'est pour la 24, à ne pas manquer. On sait rien.